חיים פינטו. התורה, למצוות של אנטי-דפרסיות. Vous savez que dans ces parachios de ces semaines-là, à chaque fois que lorsqu'on arrive à la paracha des Bamidbar, tout de suite, je pense déjà à Churban Beit HaMikdash. Chaque fois, dès qu'on commence la paracha de Bamidbar, déjà, Bamidbar, c'est déjà, c'est, on sait qu'on va arriver à Hukat, Balak, et la paracha de Korah, la paracha de Shlach Lecha, et c'est à cause des Meraglim qu'ils ont critiqué avec Israël, ces espions qui sont partis, ils ont critiqué, ils n'ont pas eu de la Shonara, que malheureusement, on est en plein. La Gzera est venue pour que le Beit HaMikdash soit détruit. Et après, on sait que c'est Tisha B'Av, et après, c'est les vacances. Et après, les vacances, encore, on commence encore le Elul, le mois d'Elul, les Hot et tout. Et après, encore, l'année va passer. Rosh Hashanah. La vie, elle passe vite. Bémet, moi, c'est toute la sidra de Bamidbar, elle me rappelle, voilà, l'année, elle est passée. Parce que dans la sidra de Bamidbar, dans tous les parachutes de Bamidbar, là-bas, on parle surtout de Shavuot, et de Shavuot, presque jusqu'à Churban, les excuses de Beit HaMikdash, et après, c'est le mois d'Elul. Tout de suite, après, c'est le mois d'Elul. Donc, ça me rappelle que la vie, elle est courte. La vie, elle est... Voilà. Et Haval, celui qui ne remplit pas sa vie. Ah, maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi on se trompe? Et c'est quoi le problème? Pourquoi, maman, on a un problème avec... que on ne profite pas de la vie. Parce qu'on se trompe des yeux. On a une mauvaise vision de la chose. C'est vrai qu'on avait une bonne vision de la chose, on ne serait pas arrivé là. Beaucoup des fois, il y a des gens, la Gemara dit par exemple, Samson, il s'est trompé avec ses yeux. Il a vu une fille de Pilishtim, il est tombé amoureux d'elle, il l'a convertie, il l'a mariée, et c'est elle qui l'a tuée à la fin. La Gemara dit, Shimshon alakha enav, nikro et enav. Shimshon est parti derrière ses yeux, eh bien, ses yeux ont été ils ont été aveuglés. Les yeux, toujours, l'œil, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des yeux pour voir, mais il faut voir clair. Beaucoup de fois, des gens, lorsqu'ils veulent se marier, ils voient une belle fille. Mais d'accord, elle est belle, elle est charmante. Mais est-ce qu'elle est Hachamaim? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Ben, mais beaucoup de fois, je vois des gens qui veulent se marier par rapport à la beauté, par rapport à l'argent. Mais attends, mais il y a Hachamaim. Et beaucoup de fois, des filles aussi, ils voient un beau gosse. Et ils vont se marier avec le beau gosse. Mais ce beau gosse, il va pas rester beau gosse toute sa vie. Un jour, il va mouchir. Un jour, il va devenir moche. Un petit accident là, et c'est fini. Et son visage va être déformé. Non, le beau gosse. Mais attends, il faut voir, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il a un bon cœur? Est-ce qu'il n'est pas coléreux? C'est ça, les yeux. Les yeux, les gens. Maintenant, par exemple, dans la paracha de Korah, mais c'est pareil. On dit que Korah, c'est quoi le problème de Korah? Ses yeux. Reino est à tout. Il s'est trompé avec ses yeux. Il a mal vu les choses. C'est écrit dans la paracha de Korah. Veikar Korah. Korah, il a pris. Il a pris quoi? Je prends un stylo. Voilà, j'ai un stylo. Je prends le stylo. Je peux le prendre. Mais Korah, il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Eh bien, mes amis, Korah, ce qu'il a pris, vous savez, beaucoup de fois, on dit, Kihou et Machim Devarim. Prenez avec vous des paroles et faites Teshuvah. C'est quoi Kihou et Machim? C'est quoi prenez des paroles? Ça veut dire, il faut, de la même façon que, lorsque je prends ce stylo que j'ai dans les mains,
t'es sûr que c'est un stylo, c'est pas une voiture que tu as dans les mains, c'est un stylo que tu as dans les mains. De la même façon. Lorsque tu fais une teshuvah, il faut que la teshuvah elle soit comme une chose que comme une chose que tu es en train. C'est pas avec une teshuvah dans la tête, je fais une teshuvah et le cœur il est loin de là. Non, il faut que ce soit vraiment une teshuvah. C'est-à-dire que, il faut que la, comme que tu prends un stylo, tu es sûr que c'est le stylo que tu as des mains, là aussi, lorsque tu fais une teshuvah, il faut que tu penses que cette teshuvah que tu es en train de faire, c'est une vraie teshuvah. Lorsqu'on dit par exemple, ils ont vu les voix. Est-ce que les voix, on les voit? On entend des voix. Les voix, on ne les voit pas. On entend des voix. C'est quoi? Ils ont vu des voix. Non. Eh bien, je suis certain que les Am Israël, à l'époque de Matan Torah, ils sont tellement certains de l'amour qu'ils portaient à Kadosh Baruch Hu. Ils voulaient bien mettre recevoir la Torah jusqu'à que pour eux-mêmes, la voix, ils la voyaient. C'est pas un zamak, ils entendent, mais ils voient, ça y est. Ils sont arrivés à un niveau que, ça y est, ils sont tellement confiants. Ça y est. Ce qu'on entend, ça y est, on le voit déjà, on le fait déjà. Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. Dans Vaikar Korah, Korah il a pris. Il était certain de lui. Il était sûr de lui. Que lui, il peut être le leader. Il peut être le manhig. Il était sûr. La Kah, comme on dit, il a pris il a pris ses responsabilités en main. Vaikar Korah. Il s'est trompé. Il s'est trompé de vision. Pourquoi? Hachamim, ils disent que Korah, il a vu que Shmuel a navi, il allait sortir de lui. Alors il s'est dit, Shmuel, mon petit-fils, on le compare à Moshe et à Aaron. Alors si mon petit-fils, on va le comparer à Moshe et à Aaron, alors moi le grand-père, je suis plus que Moshe et Aaron. Attends, tu te trompes, Korah? En plus, il a vu ça dans la névoie. Ça veut dire, il a dit, moi en plus, je suis Navi. Alors, peut-être je suis plus Navi que Moshe Aaron. Tu te trompes. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que si tu es Navi, ça veut pas dire que tu es plus que Moshe Aaron. Ça veut dire que, la vision, il faut toujours faire attention à la bonne vision et à la mauvaise vision. Parce qu'on a des yeux. Ces mêmes yeux qu'on a, ils peuvent bien voir, ils peuvent mal voir. Il faut bien réfléchir. Et n'oubliez pas que les yeux, ils se trouvent à côté du cerveau. Regardez les yeux, ils ne sont pas dans les mains. Hein? Non. Ils ne sont pas dans les mains. Parce que s'ils sont dans les mains, peut-être on va beaucoup voler. Ils sont dans le cerveau. Ça veut dire que utilise, quand je crois qu'il t'a donné tout de suite, tu sais, voilà, Hochma, à utiliser ce que tu es en train de voir, ne pas se tromper. Parce que beaucoup de fois, on peut se tromper. Les yeux, on peut se tromper. Beaucoup de fois, vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on juge quelqu'un mal, pourquoi on le juge mal? Parce qu'on a vu, on a vu, on a vu, et de la façon comme on a vu, on juge mal. Mais non, tu n'as pas le droit de juger mal. Regardez, mes amis, je vais vous apporter une preuve de Bil'am. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, c'est écrit. Hachem disent que Bil'am, il voyait. Vayar Bil'am. Hachem disent que Bil'am, il voulait faire un ara à Israël. Il est aveuglé un œil. Comme ça. Et malgré qu'il est aveuglé un œil, il avait qu'avec un seul œil, il voyait. Il avait un ara. Il voyait mal les Juifs. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a, un pasouk dans Parashat Balak. Que ce passouk-là, jusqu'à maintenant, on parle de ce passouk. Lequel? Hier, que lorsque Balak, il a vu Am Israël, Ishvatav, il les a vu aller Ishiva, il a vu la Tzniout, il a dit Matuvo Alecha Yaakov, Mishkenu Techa Israël. Ça, il a dit, hein? Ça, il a dit, hein? Et pourtant, c'est le seul passouk que la Torah. Jusqu'à maintenant, dans les synagogues, beaucoup de synagogues ashkenazes, de nos frères ashkenazes, il y a ce passouk-là. Matovah Alecha, Mishkenu Techa Israël. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un mariage, toujours on mentionne ce passouk-là.
Pourquoi Moshe ce pasouk-là? Moshe, la tsnéot de Am Israël qu'ils avaient, c'est ce qu'il a vu Bilaam. Bilaam, il a vu cette tsnéot qu'Am Israël ils avaient. La tsnéot, la pudeur des femmes, Ohel, là où les femmes ne sortaient pas, ils sont dans le Ohel. C'est ce qu'il a vu. Il était impressionné, Bilaam. Il a vu Am Israël en train d'étudier la Torah. Matouvo alecha Yaakov, ve'en Ohel la Torah. Attends, comment avec tout. Avec tout ce qu'il peut avoir, toujours Am Israël, Kovea, Etim, la Torah, même qu'ils ont rien, même qu'ils ont beaucoup à faire. Moi, je vous dis, je raconte une belle histoire. Vous devez la connaître. Il y avait une fois un Rav qui faisait de la Fayoumi. J'adore cette histoire-là. Je t'adore. Il faisait toujours de la Fayoumi. Et un jour, mais il avait toujours un monsieur qui, à la bête qui venait, au la Fayoumi le soir, et dès qu'il s'assoit, il s'endort, il ronfle. Alors, une fois, le rabbi lui dit, si le dafayoumi t'endort, ne viens pas. Il a dit, non, rabbi, qu'il faut l'arabe, je vais tout faire pour ne pas m'endormir. Il a dit, d'accord, il dit, écoute, moi, tu me gênes. Attends, moi, je fais dafayoumi, et toi, tu dors. Bah, tu ne peux pas. Il a dit, d'accord. Et encore le soir, il fait dafayoumi, et le pauvre, le mskin, est tellement fatigué, il s'endort. Et alors, le rabbi, il dit, je t'en prie. Ne viens plus. C'est bizarre la Torah. Il a dit, mais c'est pas de ma faute, je travaille dur, depuis 5 heures du matin, je travaille, pour apporter le panas à ma famille. Il dit, d'accord, mais c'est pas de ma faute, attends, tu peux pas, tu perturbes. Il dit, je t'en prie, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, comme Hinour? Le rabbi lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, moi, je travaille toute la journée. Je rentre le soir à la maison, je fais un peu les devoirs avec mes enfants, et après, je prends ma Gemara, et me dis, où tu vas, papa? Je vais à Dafayomi, je vais étudier. C'est important pour moi que mes enfants, ils savent qu'un juif, il faut qu'il étudie la Torah. C'est vrai, c'est plus fort que moi, je m'endors. Mais si je reste à la maison, alors mes enfants, ils vont apprendre de moi, après le travail, on dort. Et la Torah. Et le rêve, il écoute, tu sais quoi? Tu peux apporter même ton matelas et viens au Dafayoumi. La raison que tu as donnée, je l'accepte. Tu fais ça que pour tes enfants. Je sais. Alors, je ne te dis plus rien. Ici, on a deux choses. La vision qu'il a vue de Baal HaBayit, il a pu dire, je m'en fous, je dors. Et la vision qu'il a vue, le Rav. C'est une responsabilité quand même du Rav. Le Rav qu'il a vu lui aussi, il avait aussi une autre vision. C'est vrai, ça me dérange, il ronfle, mais ça vaut la peine, au moins que ses enfants, ils ont cette vision que le père, il va étudier la Torah. Par exemple, hier soir, c'était le football. Maintenant, il y a les matchs de football chaque jour. Ce soir aussi, c'est Erev Shabbat. Il va y avoir des matchs de football. Combien des juifs maintenant, on ne va pas juger personne, ils vont... Ça va... Chacun comment il voit la chose. Il y a un qui ne va pas voir la télévision pour voir le football, mais il va aller chez le voisin. Alors, qui sait qu'il voit... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné ce soir? Donc, d'un côté, lui, il ne voit pas. Il sait quel juif il voit. Après, il va aller demander le juif, qu'est-ce que tu as vu? Quelle vision, ça? Mauvaise vision. Il y a ceux maintenant qui ne vont rien, qui ne vont pas demander aux voisins, mais le soir, avec Shabbat, ils vont dire, demain c'est Shabbat, aïe, c'est le plus beau match de la semaine, aïe, 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 qu'on ne peut pas le voir. Ça aussi, c'est une mauvaise vision. C'est-à-dire que le football est le plus important que le Shabbat. C'est un qui veut dire Avat qui tue. C'est un qui veut dire Avat qui fait le Shabbat. C'est pas, c'est, il fait le Shabbat parce qu'il n'a pas le choix. Il y a ceux qui disent, qui vont dire, bon, il y a ceux qui vont voir, bien sûr, il y a ceux qui vont dire, Baruch Hashem qui a Shabbat, et que Shabbat c'est pour Hashem, et Hashem, je suis super heureux et content que je ne vois pas de télévision, que je ne vois pas le football, et je ne veux rien savoir, et demain je reste synagogue, et je ne vais demander personne, et je m'en fous qui gagne, qui ne gagne pas. Pour moi, c'est moi qui ai gagné, parce que je fais mon Shabbat. Ça, c'est une bonne vision.
Ah, ce n'est pas la meilleure vision, Bichlal. La meilleure vision, c'est Bichlal ne pas aimer le football. Je ne peux pas aimer mieux, quelque chose mieux que la Torah. On voit dans les livres de Bahaï Moussa qui disent on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Ou ça, ou ça. Et une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas aimer les choses de... Il me dit, pourquoi? Je dis, pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas aimer. C'est ça le tenet de ma tante Torah. Veille ou et ta kolot, veille shmi'o et ta kolot. Tu aimes ce que tu ne vois pas. Tu aimes Hachem que tu ne vois pas. Tu aimes, c'est ça. Veille ou veille shmi'o. Ça, c'est une madriga de tzadikim. C'est une grande madriga, et c'est une madriga, on peut y arriver. Alors, c'est ça, mes amis. Alors, il y a dans le parasha de Balak, il y a ce fameux pasouk. Alors, regardez-le. Il y a un bon pasouk qui dit comme ça. Il dit Vayar Pinhas ben Elaza ben Aharon à Kohen. Le parasha de Balak, parasha de Pinhas. Il a vu. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Ra'amahase. Il a vu. Pinhas, il a vu. Ce juif avec la Goya, qui sont en train de voir, de faire une Avera, il voit un juif. Vous savez quel âge il avait, ce juif-là? 400 ans. Vous savez qui il était? Shlomiel ben Tsori Shaddai, le nasi de Shevet Shimon. Shlomiel ben Tsori Shaddai. Zimri ben Salou. Hein? Zimri ben Salou. Oui, mais il a changé de nom. Mais c'est lui. C'est par rapport à la Avera qu'il a fait, ils lui ont changé de nom. Parce qu'il porte quand même un nom d'Hachem. Shlomiel, c'est Shalom. Tsuri Shaddai, c'est nom. Alors, la Torah lui a changé le nom. Vous vous rendez compte? J'ai même vu sur à propos de la femme-là qui parlait beaucoup. Je l'ai mis de Badibri. J'ai vu dans un livre qui dit que son nom, c'était pas comme ça. Il avait notre nom. Alors pourquoi il a donné je l'ai mis de Badibri? Parce qu'il disait shalom à tout le monde et parce qu'il parlait beaucoup. Beaucoup des fois, on colle un nom sur quelqu'un selon les mauvaises choses qu'il fait ou les bonnes choses qu'il fait. Donc, mes amis, si Vayar Pinhas, il a vu quoi? Il a vu le Maasé, Biniskar Alakha. Il a vu. C'est-à-dire que beaucoup de fois, on voit et on voit mal. Lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Maasé. Qu'est-ce qu'il a fait? Niskar Alakha. Ce Maasé qu'il a vu, cet acte qu'il a vu, ça lui a rappelé une Alakha. Ça lui a rappelé une Torah. Beaucoup de fois, on voit quelque chose. Et ça nous rappelle une mauvaise chose. Voilà. On voit quelque chose et ça nous rappelle une mauvaise chose. Celui-là, il a vu une chose, mais justement, ce qu'il a vu, ça lui rappelait une mitzvah, une halakha, une bonne chose. D'ailleurs, j'ai dit que c'est écrit dans la Gemara Menachot à propos du tzitzit, c'était Or Itemoto. Oui. Ushatem va'asitem. La Gemara dit que Dokachema, on dit, on voit, on se rappelle et on fait. On voit les tzitziot et on se rappelle que ces tzitziot, ils nous rappellent qu'il y a des mitzvot à faire et qu'est-ce qu'on fait après? Et on les fait. Il faut savoir une chose, que le Gaon de Vilna, alava shalom, le Gaon, avant de mourir, on raconte qu'il a pris cette tzitziot, il a commencé à les embrasser, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, ses élèves, Rabbi, non, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hachim nous a donné une mitzvah gratuite. Une mitzvah gratuite. Je ne travaille même pas. C'est un vêtement qui est sur moi. Et chaque seconde, ça me compte une mitzvah. C'est comme un compteur. Vous prenez un compteur à un taxi, et le compteur, il note les... Comment ça s'appelle? Les sacs...
les euros et les euros et les euros et les euros. 50, 50, 50. Voilà, 50. Et dommage. Notre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Ce monde-là, c'est le monde de mitzvot. Ça me fait du mal. Et j'ai vu dans un livre qui dit Hachem, il a fait ça exprès pour ne pas être nœud. Je crois que c'est Rabbi Michel Yehuda Livkovitch. Il dit Ve'at Aaron ve'aria. Il dit pour ne pas que le juif soit nœud des mitzvot. Quand je vois qu'on lui a donné des mitzvot, par exemple, voilà, par exemple, je n'ai pas de mitzvah à faire. Je suis dans un avion. Je n'ai pas de livre. Je n'ai rien. Eh bien, le fait qu'il y ait une telle sur toi, ben, tu n'es pas un homme nu des mitzvot. Tu es toujours entouré des mitzvot. Ben, tu es nu. Et rapporte aussi David Ameller. David Ameller, à la vache, il était à la salle de bain. À la salle de bain, il n'y a ni talit, ni tfilin, ni l'étude de Torah, ni rien du tout. À un moment donné, David Ameller, il avait de la peine. Il a dit, aïe, 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 je suis nu des mitzvot. Lorsqu'il a vu qu'il était circoncié, ah, elle dit, c'est une mitzvah, je ne suis pas nu des mitzvot. Il y a toujours une mitzvah. Une mitzvah sur moi. Ça veut dire que Hachem, il a créé en nous des mitzvot, qu'on est nu, qu'on dort, que 24 heures sur 24, on n'est pas nu des mitzvot. Il y a toujours une mitzvah qui se fait en nous. Rabotai, moi une fois j'ai expliqué dans un de mes livres, j'ai dit qu'on dit que quand je vais au coup, mitzaref, machavatova et maazé. Que lorsque quelqu'un il pense faire une mitzvah, il l'a pas fait, comme s'il l'a fait. Parce qu'il veut la faire, mais la mitzvah, il ne s'est pas présenté. Alors je me dis, comme si tu l'as fait. Alors maintenant, j'ai pris l'exemple du talit. Je prends le talit au itemoto, je le vois. Lorsque je vois le talit, je me rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Mais je n'ai pas de mitzvot à faire maintenant. Alors quand je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de mitzvot à faire, comme si tu les as fait. C'est-à-dire comme si j'ai fait chaque fois Tariq Mitzvot. 613 Mitzvot. C'est du gratuit. Quand je vois au cours, il nous a donné Mitzvot pour gagner. Mais, au moins, il faut que l'homme, lorsqu'il voit le tzitzit, il faut qu'il pense qu'il y a des Mitzvot à faire pour les faire. De là, vous voyez c'est quoi la bonne vision. C'est-à-dire, regardez, je vois le tzitzit au Etemoto. Du matin au soir, malheureusement, on voit le tzitzit, mais on oublie. Ah, maintenant, il y a nous les Sfaradim. Bon, les Ashkenazim, ils prennent le tzitzit, ils le mettent dehors. Mais nous, les Sfaradim. Les Sfaradim, on n'est pas obligé. Les Sfaradim, on peut les cacher. Au moins, sachant que je sais qu'il y a un talit sur moi, ça m'aide. Alors, et des motos, ratem. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la bonne vision. Vayar bin Has ben el Azar ben Aaron. Il a vu quoi, il s'est rappelé. C'est la bonne vision. Il a vu, il s'est rappelé de la mitzvah. Il a vu le maasé. Ce maasé-là, il peut dire, hey, tout le monde a vu ce maasé-là. Mais tout le monde, il peut dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Shlomé et c'est Shaddai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, que, je ne sais pas moi, il y a tous les skinim qui crient, qu'est-ce que moi je vais faire? Manéasé. Non. Il a vu ce maasé-là? Non. Niskar alakha, il se rappelait qu'il y en a alakha à faire. Moi, je voudrais parler de toute ma vie. Je pense à mon grand-père, à mon père, à mes aïeux, mes grands-parents, mes rabbanim. Je vis avec eux. Et pourtant, ils ne sont pas là. Vayar, je pense, Vayar Otakolot, je pense ce qu'ils ont fait. J'imagine ce qu'ils ont fait. Et j'apprends. C'est ce qu'on appelle la bonne vision. C'est quoi la bonne vision? Quand on dit Vayor, Enechago, Otet, Morecha, moi, voilà, mes rabbanim, ils sont là. Pourquoi ils sont toujours dans mes bureaux? Voilà, il y a Rahim Shmuel Opien, il est là. Il y a Rav Shach, il est là. Il y a mon père, mon Rav, il est là. Pourquoi pour moi, c'est important? Vayor, Enechago, Ot. Lorsque je les vois, j'apprends. Je sais ce qu'ils ont fait. Et je pense toujours les bonnes choses qu'ils ont fait. Et j'apprends. Maintenant, s'il n'y a pas les photos devant moi, ça me suffit. C'est pour ça que moi, je connais beaucoup des histoires sur les Emoraïm et les Tanaïm. Pourquoi? Étant donné que j'ai lu la Gemara, je lis qu'est-ce qu'il dit Abaye, qu'est-ce qu'il dit Rava, qu'est-ce qu'il dit Rishlakish. Moi, je sais ce qu'ils ont fait de leur vie. Donc, lorsque j'étudie la Gemara, je sais qu'est-ce qu'ils étaient. Alors, non seulement que Ra'a Ma'aseh Viniskara, c'est-à-dire,
je vois le nom du Rav, que je lis dans la Gemara, le nom du Tana, et Viniskar, et je me rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait, et j'apprends. Et j'apprends. Même si ton Rav il est mort, il n'est plus là, ça, le fait de voir sa photo, le fait, même tu l'imagines dans ta tête et tu penses qu'est-ce qu'il a fait. Je raconte une histoire qu'il m'a raconté à Bergman cette semaine. Il m'a raconté une histoire de la folie. Il y avait une fois, ils ont appelé Rav Shach à la Bachalom. Il y a un Shalom Bayit. Il y a un divorce d'un avrer qui veut divorcer à Haïfa. Ils ont appelé Rav Shach. Ils ont dit, vous savez Rav Shach, il n'y a que vous qui peut aider. Il n'y a que vous. Il n'y a personne. C'est vous qui pouvez sauver ce mariage. Et on sait que c'est dur pour vous, c'est Haïfa. Qu'est-ce qu'il fait Rav Shach? Il prend le bus. Et il va jusqu'à Haïfa. Après, il prend un autre bus. Et il va à la maison. Déjà, le fait qu'ils l'ont vu, ils étaient choqués. Il leur a fait le shalom et il est retourné. Lorsque le lendemain matin, après le lendemain matin, il est retourné, il est parti directement à la yeshiva. Lorsque le monsieur il est retourné chez lui, il dit à Rav Shach, qu'est-ce qu'on va faire pour le couple dont je vous ai parlé hier. Il a dit, ça y est, je suis parti, je leur ai fait la paix et je suis retourné. Qui peut faire ça? Ça me suffit rien que cette histoire, que chaque fois que je vois, ça me corrige. Ça me corrige. Ça me corrige. Ça me donne du moussard. Et pas que ça. Des milliers d'histoires. Moi, je lis beaucoup des histoires. Plein. Pourquoi pas? Ça m'aide. On vit dans un monde qu'il faut. Il faut toujours voir. Et tes motos se rater vers la cité. Il faut toujours voir pour se rater. Pour se rappeler, pour faire. Parce que le tsar est très fort. Ne croyez pas qu'on est. On est en vide avec un tsar qui est très fort. Bayer Pinhas. Pinhas, il a vu. Il aurait pu se mettre de côté, non. Il a vu ce qu'il a vu. Il a vu cet avéré qu'il est en train de se faire faire. Tout de suite, il a vengé à Kadosh Baruch Hu. Il a risqué sa vie. Et il est parti faire ce qu'il devait faire. Aujourd'hui au Maroc, chez Mishmor, ça va très mal au Maroc. La communauté juive qui est au Maroc, ça va très très mal. Très très mal. Très très mal au niveau spirituel. Au niveau matériel, il leur manque rien du tout. Mais au niveau spirituel, Hashem Yishmor, ça va très mal. Je n'ai pas le droit de parler, mais au niveau spirituel, ça va très mal. Et pourtant, il y a des centaines et des centaines de kibbutz tzadikim. Et malheureusement, il manque des rabbanim. Il manque des vrais rabbanim. Il manque des kolilim. Il manque la Torah. Il manque. Il n'y a pas de qui prendre exemple. Il faut voir, il faut. Il y a une femme qui est venue hier chez moi. Elle s'assoit. C'est ma mâche, c'est. Elle s'assoit, elle pleure. Et je lui dis, elle pleure. Hier ou avant-hier, je lui dis, pourquoi vous pleurez? Elle m'a dit simplement, je vous vois et je me rappelle de votre père que je connais, Alav Shalom. Je pense à votre. C'est penser. Bayard, voir et penser. Mes amis, je voudrais vous poser une question. C'est grave, hein? Korah. Arriver ce qui est arrivé. C'est grave. Et là aussi, les Meraglim, arriver où ce qu'ils. Ils sont arrivés à parler de la Shona sur Israël. C'est grave. Mais je ne peux même pas imaginer des tzadikim, kulam anashim, qui peuvent parler du Nashorah. J'arrive pas à croire. Mais c'est dur pour moi de croire.
Korah minus et Aaron. Il parle du Lashon Hara sur Moshe et Aaron. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Il paraît même Nahshon ben Aminadab, il l'a suivi. C'est la folie, j'arrive pas à croire comment. Mais c'est du Emmet. Ça s'est passé, mais comment comment une chose pareille peut se passer? Comment si Simra Glim, je sais pas moi, comment ils sont arrivés à parler de la Lashon Hara sur Eretz Israël? Comment? Bon, le Shoralam. Après, ils ont critiqué Moshe Rabbeinu, ils ont critiqué Aaron, ils ont critiqué Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, il est faible, il peut pas être plus fort que les Knaanim. Et je ne comprends pas ce Zimri de venir avec une Goya devant Moshe Rabbeinu, bon, le Shoralam. Un vieux renard. Il avait 400 ans. Il était vieux. Et en plus, il était un assis. Il a inauguré le Beit HaMikdash. Bon, le Shoralam. Et combien de Bélot il a fait avec cette femme, combien de fois il partait avec. Un monde Bélot. Mais d'où il a eu cette force? Un vieux monsieur comme lui. D'où il a eu ce corot-là? D'où il a eu cette force d'aller avec cette Goya plusieurs fois? Ce bon Shoralam, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est dur pour moi de croire, mais ça s'est passé. Ben de là, mes amis, vous voyez une mauvaise vision. Tant que tu es vivant, si tu ne fais pas attention avec tes yeux, tu peux tomber. Les yeux, oui. Anaïm. On dit Enaim Lahem, mais le héros. Ça, on parle de Abodazara. On dit que l'Abodazara, l'idolâtrie, elle a des yeux, mais elle ne voit pas. Et moi, je dis, de l'autre côté, on a les yeux pour voir, mais non, on ne doit pas voir. On doit savoir quoi voir. Mal et haut. Vous n'avez pas remarqué que maintenant, il y a trois voies. Aujourd'hui, on approche Machia aujourd'hui. Vous ne voyez pas que le Tzara, il se bat de toutes ses forces. Partout, des grands posters. Vous savez qu'en Argentine, je vais partir en Argentine dimanche soir. Bon, Baruch Hashem, c'est l'hiver là-bas. Baruch Hashem, tout le monde est couvert. Mais à Rabotet, tout le monde est couvert. Et si vous voyez des posters qu'il y a en Argentine, dans les rues, il y a des étages, de 40 étages, ils vont te faire là-bas un poster de 40 étages. Une femme Aruma. C'est ça l'Argentine. Znout, Pritzout, la débauche. La débauche totale. Et combien il faut faire attention à ne pas voir. Aujourd'hui, non seulement maintenant, aujourd'hui, malheureusement maintenant, les posters aujourd'hui, malheureusement, tous les téléphones aujourd'hui, tous les iPhones, tous les téléphones, tu peux voir là-bas ce que tu veux. Aujourd'hui, pratiquement, c'est dur de surveiller les yeux. Mettons pour nous, maintenant qu'on habite en France, mettons, c'est l'été. Combien c'est dur l'été ici en France. Combien c'est dur en Israël. Pratiquement, il n'y a pas où aller. Sans ne pas voir des mauvaises choses. C'est pas possible. C'est impossible. Mais il faut faire attention. Alors, comment on va faire attention? Alors, comme qui dit Ben Ishaï dit que celui qui voit beaucoup la Torah, avec ses yeux, alors quand je vais au Hu, il va faire que. Il ne verra pas les mauvaises choses. Sinon, chez Mishmo. Une fois, j'étais à Strasbourg. Et au Kito Strasbourg, parce qu'il y avait mon fils Raphaël à l'école, il était à Ishiel. Et je suis parti avec Léon Haddad. Et après, au retour, on devait faire Strasbourg-Lyon. Et à un moment donné, sur le chemin, j'ai fait comme ça, j'ai tourné ma tête. Mais en tournant ma tête, il y avait là-bas un poster qui était sale. Alors, celui qui me conduisait, j'ai eu peur qu'il croie que moi j'ai vu ça. Que j'ai vu ce poster-là.
que j'ai tourné ma tête comme ça. Et malheureusement, en tournant ma tête, il y avait ce qu'il y avait. Je dis, Léon, ne crois pas que j'ai cherché à voir. Mais non, j'ai rien dit. Je sais que tu as dit, mais tu as pensé. Ne pense pas que j'ai cherché à voir. J'ai pas cherché à voir. Alors pourquoi j'ai tourné ma tête? Ça, je peux pas t'expliquer. C'est ça, là. Et ça te fait tourner la tête sans que tu sais pourquoi tu tournes la tête. Pour que tu vois quelque chose. Lorsque tu vois quelque chose, pour que ça reste dans ta tête. Parce qu'il sait que tu cherches pas à voir, alors lui va te pousser à voir, sans vouloir. Et lorsque tu vois, et Baruch Hashem, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? J'ai vu ce que j'ai vu, Niskerte Alach. Je me suis rappelé qu'il y a un Alach qu'il ne faut pas voir. Voilà, c'est tout. Donc voilà le tikkun. Le tikkun, c'est qu'il ne faut pas voir. Je n'ai pas fait attention à ce que j'ai vu. Cette photo, je n'ai pas cherché à la voir. Mais malheureusement, je l'ai vu. Alors, Niskerte Alach. Je me suis rappelé qu'il y a un Alach qu'il ne faut pas voir. Tout de suite. Donc ça y est, j'ai été mitaken. J'ai réparé ma faute. Le tzara est très fort. Le tzara est très fort dans tout ce qui est vision. Le tzara, son courroie à lui, c'est de te faire montrer que des bonnes choses. Et c'est vrai, les bonnes choses, les choses qui le concernent à lui, qui sont mauvaises. Mais à nous de ne pas faire, à nous de voir les bonnes choses. Que pour le tzara, c'est des mauvaises choses. Lorsqu'on voit, il y a R.N.E. Novotora Terra. C'est ce qu'on prie à Kazbohru. Vous avez, est-ce que vous êtes posé une question un jour? Pourquoi on dit, Hachem ouvre nos yeux dans la Torah. C'est quoi? Comment vous expliquer? Ouvre nos yeux, éclaire nos yeux pour voir la Torah. Parce que malheureusement, on étudie la Torah. Mais on l'étudie comme si on l'étudie dans l'obscurité. Ça ne nous fait rien du tout. On dit à Kachoura, Hachem, s'il te plaît, aide-nous qu'on voit la clarté que ce qu'on est en train de lire, qu'on soit, que ça nous éclaire la vie, le chemin. Qu'on vit avec ça, qui est haïen ou ramen. C'est pas qu'on lit la Torah comme si on était avec le néant, mais c'est d'obscurité. Vous savez, c'est écrit sur Am Israël dans l'obscurité, mais Chob Israël, or bimoshvotehem. Ou pas? Il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte, pas chez les Juifs. Je vous pose la question. Mais l'océan obscurité, c'est obscurité. L'obscurité, c'est obscurité. Ou pas? Ah, tu ne peux pas dire l'obscurité, il y a la lumière. Ben oui. Ben oui. Nous, rapportons, on vit dans l'obscurité. On vit dans le tzara. On vit dans les znout. On vit dans la touma. La Gemara dit qu'avant que Mashiach va venir, il y aura trop de znout. Trop. Il y aura même des guerres entre rabbins. Des guerres entre des rabbins. Et un va critiquer l'autre. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il est le Hémet. Vous imaginez aujourd'hui en Israël des enfants qui déchirent des livres et des photos des rabbanim aujourd'hui en Israël. Qu'est-ce que tu as? C'est fini, hein? En Israël aujourd'hui, ça me fait de la peine. Parfois, j'ai des tendances d'aller. Parfois, j'ai des tendances de ne pas y aller. Parce que je vais aller là-bas et on va commencer à me parler de celui-là. L'autre va me parler de celui-là. L'autre va me parler de celui-là, et moi je suis au milieu. Et moi je respecte tous. Et moi je respecte, je ne sais pas où aller. Quoi entendre? Chez Mishmor. Si vous êtes avec tel Rav, et alors maintenant, ils sont tous vieux, ils sont tous des Gdolim. Chez Mishmor. Au lieu qu'on éduque nos enfants à respecter les Gdolim, ils sont en train de. Ces enfants-là à l'école, au Heider, ou à la maison, eh bien, le papa qui est le Avrir, il va critiquer un qui s'appelle Gdolador. L'enfant. Ah bon, mais papa, il y a 2 ans, tu parlais du bien de lui. Non, c'est un rachat. L'enfant, il va rien comprendre. Non, il s'est dit que c'était l'étel. Ce bébé-là, il va aller à l'école. Il va rencontrer un autre qui va lui dire le contraire de ce qu'il a entendu chez son père. Voilà ce qui se passe. Où est la bonne vision?
où il est la bonne vision. Parce que ce qu'on voit, on fait. Au item, au stratem, va à sitem. Alors, où on voit. Ah, mettons, je t'emmène avec ça. Alors, es, sota, bikilkola, non? Yadir, ed, yadir, atzmo, minayayin. Bien, yadir. Alors, c'est quoi ça? La Gemara, elle dit que, la Torah, elle dit que celui qui a vu une sota, c'est quoi sota? Sota, c'est une femme que son mari la soupçonne qu'elle a trompé. Mais elle n'a pas de témoin. Il ne sait pas. Oui, non, oui, non. Et vous savez, lorsque quelqu'un il soupçonne sa femme, c'est invivable. Il voit sa femme. Elle se maquille. Oui, elle se maquille pour lui. Non, elle se maquille pour elle. Non, mais sur sa tête, il a un djouk. Il a un cafard dans sa tête. Dans sa tête, il pense que sa femme elle pense à un autre. Vous savez comment je vis moi avec ça. Je reçois des gens comme ça. Surtout avec l'internet et tout. Malheureusement, il y a des femmes qui trouvent leur mari, ou le mari qui trouve la femme, qui correspond avec une femme, ou c'est le mari qui correspond, ou c'est la femme qui correspond avec un autre homme, un chimichmo. Et vous savez, il y a quelqu'un qui est venu chez moi hier. Il m'a dit, Rabbi David, il m'a apporté des photos, des photos et des lettres. Qu'est-ce que vous pensez de ces lettres-là? Je prends une lettre, dès que je l'ai lue, prenez encore une autre. Non, non, je ne veux pas. Encore, je prends. C'est quoi ça? Ben, c'est ma femme. Alors, je dis à ma femme, c'est quoi tout ça? Elle me dit, non, c'est Elisa écrit à une copine à elle. Alors, lui a dit, mais attends, mais c'est écrit Charlie. C'est pas une copine, c'est écrit Charlie. C'est pas écrit Laurence. C'est Charlie. Elle dit, non, c'est un code que je me suis donné avec elle. Qu'est-ce que vous allez dire? Je ne veux pas vous dire ce que je lui dis, mais à quoi pour vous dire voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Alors celui qui soupçonne sa femme, il va prendre sa femme chez le Cohen, et le Cohen va lui donner quelque chose à boire. Il lui dit, écoute-moi, où avoue ce que tu as fait? Et il divorce ton mari et bâton. Ou sinon, alors tu bois cette eau-là. Alors, elle va jurer. Elle va jurer au Cohen. Elle va jurer. Je jure. Elle a dit que je n'ai pas fait, je n'ai pas faudé. Attention. Si une adine moi que tu vas boire de cette eau, tu vas crever, tu vas mourir. Mets-toi la vérité. Si tu as fait la Avera, divorce, va-t'en, marie-toi avec un autre. Mais si tu jures pour rien, rien que pour rester avec ton mari, tu vas mourir. Elle dit, je jure, j'ai rien fait. Elle boit. Si elle n'a rien fait, si elle est moche, elle va être belle. Si elle n'a pas d'enfant, elle aura des enfants. Et après, elle a vraiment fait quelque chose, elle a bu cette eau, elle va mourir. Maintenant, la Torah dit, admettons que à cette femme-là, ils vont lui enlever la perruque de la tête, ce qui sourit, ils vont un peu l'humilier. Pour qu'il dise la vérité, pour ne pas qu'elle meure. Tout ça pour ne pas qu'elle meure. Comme ça, elle dit la vérité, elle reste vivante. C'est tout. Mais elle tient tête, elle veut mentir. Alors là, c'est grave pour elle. Alors la elle dit, alors, et sauta bekelkola, si un homme, il a vu ce qui se passe avec cette femme au Betamigdash, la façon qu'on lui fait boire, et lorsqu'elle va tomber, il faut qu'il boive plus du vin. Il faut qu'il boive plus du vin. Alors maintenant, mes amis, il y a deux choses. Moi, je me pose la question. Pourquoi, s'il voit une femme qu'on la soupçonne, si elle a trompé son mari ou pas, pourquoi il devient nazir? Pourquoi on lui dit ne bois plus de vin? Pourquoi? Moi, j'ai rien fait dans ma vie. Moi, j'adore le vin. J'aime boire un peu de vin pour le Shabbat. Et si je me trouve au Beit HaMikdash et je vois le Cohen ce qu'il fait à cette femme-là, il faut tout de suite que je vienne nazir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu. Azma.
J'ai vu ce qu'on fait à une femme que son mari la soupçonne. Eh ben, c'est entre eux. Moi, je suis là, je suis un spectateur. Esma. Non, la Torah me dit, t'as vu? Fais attention. Tu te coupes plus les cheveux, tu laisses tes cheveux grandir, jamais tu approches les raisins, jamais tu bois du vin, tu approches pas un vigne, c'est ça? Hein? Tu approches pas la vigne, elle a sali, pourquoi tout ça? Ah, maintenant, à un moment donné, après quelques temps, j'ai ras-le-bol des cheveux, ça pèse. Et ça, maintenant, j'ai fait ce que je devais faire. Je dois venir chez le Cohen. Je dis, monsieur le Cohen, voilà, j'étais nazir parce que j'ai vu ça et ça et ça. Maintenant, ça y est, je vais les enlever. Il apporte comme un hattat. Il apporte un sacrifice de pardon. Le Ramban, il pose une question. Pourquoi? Quelle faute il a fait? Il a vu, parce qu'il a vu, on lui dit, on le punit de ne pas boire du vin. Et maintenant, qu'il ne veut plus être nazir, on lui dit, tu apportes comme un hattat. Pourquoi? Alors, d'après ce que je vous dis, on comprend. S'il a vu, on dit, si tu n'as jamais rien fait, il fait attention à toi. A priori, tu ne devais pas voir ce qu'on est en train de faire à cette femme-là, au Beth Amikdash. Et si tu as vu, c'est qu'il y a un problème avec toi. C'est peut-être que tu as vu quelque chose de mauvais, ou tu as fait une avera quelque part et tu l'as oublié. Alors maintenant, ça va te donner une occasion de faire une bonne teshuva. Alors, maintenant que tu as fait une bonne teshuva, et maintenant tu deviens nazir, tu ne bois pas du vin, et que maintenant tu vas arrêter d'être nazir, tu appelles Kobal Hatat. Pourquoi Kobal Hatat? Il y a deux raisons. Parce qu'on dit que quelqu'un qui ne boit pas du vin, c'est péché. Et pourquoi c'est péché? Parce que quand je lui ai donné du vin pour le boire. Et toi, tu ne le bois pas. Ah, parce que tu n'as pas bu, tu fais comme un hatat. Alors, de côté, il y a une stire, il y a une contradiction. On m'a dit que parce que j'ai vu ça, je devais nazir. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez compris la question? C'est pas de ma faute. J'apporte comme un hatat si j'ai fait une faute. J'ai pas fait de faute. On m'a dit que si je vois une femme, que son mari la soupçonne, il devient nazir. Il ne boit pas du vin. Alors je fais ce que la Torah l'a dit. Maintenant que je vais annuler d'être nazir, on me dit d'apporter comme un hatat, j'ai pas bu. Mais si j'ai pas bu, parce qu'on m'a dit parce que tu as vu. Hein? Pardon? Voilà, alors, d'un côté, on comprend, alors, comment, qu'est-ce qui se passe, là? Mais vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que, si tu as vu, écoutez bien, je termine, hein, si tu as vu une femme que ce mari la soupçonne, et que, maintenant, on te dit, puisque tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir, tu apportes, tu deviens nazir. Tu deviens nazir. Oui ou pas? Tu deviens nazir. Donc, je suis nazir. Et maintenant, quelques temps plus tard, je ne vais plus être nazir. On me dit, tu apportes comme un hatat. Pourquoi pas, tu n'as pas vu? Mais, le fait, si tu n'aurais pas vu cette femme-là, que ce mari la soupçonne, tu continues à boire du vin. Et faire la bracha du vin. Mais parce que tu as vu, tu ne bois pas du vin. Et pourquoi tu as vu? Parce qu'il y a une faute en toi. Par rapport à cette faute qui est en toi, que toi tu ne te rappelles plus, tu apportes comme un hatat. Ça veut dire, à votre temps, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu qu'on voit que des bonnes choses. Parce que derrière les mauvaises choses qu'on voit, il y a caché une faute. Avera, correret avera. Derrière une faute qu'on a fait, derrière quelque chose de mal qu'on a vu, il y a caché quelque chose. Il y a caché un avera. C'est pour ça qu'on dit Avera Goreta. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, ben, vous savez, c'est qui le meilleur qui ne voit pas? Qui? Qui peut me dire? Celui qui dort!
Celui qui dort, il ne voit pas. Mais s'il fait des mauvais rêves, ce qu'il a vu avant. Il y a beaucoup de gens qui ont Israël Batalos qui dort. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils ne fallait pas voir. Donc finalement, vous voyez, c'est la chimie, c'est combien il faut faire attention à la vie. La Bihipito, mon grand-père, Allah Shalom. Pardon, mon père. Lorsqu'on était à Marseille, il y a quelqu'un à Marseille ici, non? Hein, vous êtes. Alors, il y a mon père, il avait passé Shabbat chez monsieur. J'ai oublié. Monsieur Zitoun, Znati, non. Oui, peut-être. C'est, oui. Peut-être. Il habitait à. J'ai oublié. Il habitait à boulevard de la Fédération. Très, très loin. Et nous, on devait prier Shabbat matin à très loin, moins de 3 km, une longue marche. Et mon père, Alava Shalom, on a dû vraiment passer Shabbat à côté. Mais bon, mon père, Alava Shalom, il voulait dormir chez son Bala Baït qui le connaît de très jeune. Donc, il a dit non, j'ai papa, mais c'est loin. Et c'est le matin, c'est le marché. Il a dit, c'est pas grave, c'est pas la baïe, tu nous as bien accueillis. Non, on reste chez lui. Bon, Shabbat matin, c'était en été, hein, il faisait chaud. On se réveille un peu tôt parce qu'il fallait marcher. Une longue marche. Et je vois mon père à la vache à l'homme, peut-être 5 km, peut-être une bébête. C'est Marseille, c'est pas. Il n'y a pas de. C'est pas. C'est en plein Marseille. Et mon père, là-bas, Shalom, il regarde, n'a mâche que en bas. Ses yeux, il n'a pas. C'est-à-dire que même lorsqu'on devait traverser, c'est moi qui tenais la main pour traverser, et ma mâche, ses yeux, ils n'ont pas. Il avait peut-être 65 ans à cette époque-là. Papa, je lui dis, je suis très. Extraordinaire. Presque une heure et demie, j'ai pas vu tes yeux. Tu n'as pas levé tes yeux, même pas d'un centimètre de la terre. C'est ce qu'il m'a raconté. Mais il m'a dit, dans les rues, il faut beaucoup faire attention si sur quoi on marche. J'ai dit, papa, on peut voir 10 mètres, c'est propre, et on marche, on lève les yeux. Mais ça fatigue de marcher comme ça. Il m'a dit, David, la terre, elle est trop sale. Il faut faire attention où on marche. Il y a des choses qui viennent subitement. Il y a de la saleté qui vient subitement. Ça, c'est mon père. Et c'est gravé dans ma tête. Gravé dans ma tête. Aujourd'hui, dans la rue, on marche comme ça. Hiver comme été. En marchant les yeux levés, on voit des ch'touyotes, on voit des sales pics, des sales photos, des choses sales, très sales. Vous savoir quoi voir, quoi. Surtout vous prenez le métro, vous prenez le taxi, les trains, vous marchez dans les rues, vous traversez les parcs et tout. Eh bien, il faut faire attention. Ce qu'on voit, c'est la raison pourquoi à la vache de mon père, il m'a dit. L'atmosphère, elle est sale. Les rues sont sales. Le seul endroit que c'est pas sale, c'est le parterre. C'est le parterre. Le parterre, c'est pas sale. Tu vois le parterre. Ça, j'ai appris ça de mon père, là-bas, Shalom. Et c'est ça, Rabotek, où chacun de nous, il doit faire attention. Que là, il y a la vision. Il faut voir bien. Pourquoi les tzadikim, ils étaient prophètes, Ruach HaKodesh? Pourquoi? Parce que la prophétie, elle est dans le cerveau. Elle est à côté des. Comment on appelait Shmuel la Navi, dites-moi? Haroé. Haroé. Dans Shmuel, on appelait les prophètes Haroé, celui qui voit. Et pourquoi on l'appelait celui qui voit? Parce que les vrais tzadikim, ils voient. Que des choses bien. Celui qui voit les choses bien, il est prophète. Mais celui qui voit les choses, des visions pas bien,
eh ben, il fait partie de la Klipa, de la Touma. Pourquoi les tzadikim, ils voient à travers un mur? Pourquoi? Ben parce que ils voient que des bonnes choses. Ils voient que la Kedusha. Alors, ils peuvent voir, mais sauf à Olam et Atsofo. Et celui, Rabotai, qui voit des mauvaises choses avec ses yeux, ça y est. Il a un rideau, un écran devant ses yeux. Ça, il y a quelque chose. On dit, Da l'ifimé à Taoumed. Sache devant qui tu es debout. Devant quand je vois au haut. Voilà. Mais celui qui est debout devant ses téléphones, de sa tête, il est à gauche et à droite, comme il y a quelqu'un qui rigolait pendant la prière. Il rigolait un peu. Alors après, je lui dis, tu peux savoir pourquoi tu rigoles? Il m'a dit, c'est des bêtises. Je lui ai dit, s'il te plaît, des bêtises. Mais tu as rigolé, c'est que c'est marrant, je veux rigoler moi aussi avec toi. Il m'a dit, vis-à-vis, c'est pas beau. Je lui ai dit, c'est pas grave. Dis-moi. Il m'a dit, Stam, en plein prière, en plein tifilé, David, la tête, en plein prière, à quoi je pense, c'est dimanche, il faut que j'achète des croissants, des pains au chocolat. Voilà, je sentais déjà l'odeur des croissants. Ah, je rigole. Tu vois, voilà. Bon, il rigole. Au moins, là qu'il a été modé. Et ça veut dire, il faut. C'est ça, mes amis. Ah ben, Hashem, quand je vois qu'il nous aide à se renforcer dans la Torah, dans Avodat Hashem, dans Hashamayim. Faites attention, vous êtes jeunes. Vous êtes tous jeunes. Vous êtes en plein. Et Sahara. Qui cherche à vous abattre. Mais de l'autre côté, Baruch Hashem, vous avez la Torah. Vous étudiez, vous voyez. Alors, Père Hachem, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Mon père Al-Vachem, il m'a dit une fois, David, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Il faut qu'Hachem y voit que tu fais un maasé. Mais tu ne peux pas dire à Kadosh, aide-moi. Parce qu'on te dit, je t'aide. Il faut que Hachem y voit que toi aussi, tu veux être aidé. Mais si Hachem ne voit pas que tu veux être aidé, comment tu veux qu'il t'aide? Père Hachem, renforcez-vous. Et que Hachem. J'étais en train de lire le livre de votre grand-père, super. La Hanava de son grand-père, Rabbi Shimon, Suisse, à la Vachalom. Comment il était battel? Vémet, il faut apporter un ou deux à la Yeshiva. Comment il était battel? Il était annulé. Comment il écrivait? Il était battel. Avant que. S'il était vivant, j'aurais dit, Rabbi Shimon, c'est trop ce que vous écrivez ici. C'est trop, il s'annule, c'est un gadol, quand même. Et c'est que la façon comme il s'annule, devant les rabbanim, comment il s'annule devant les rabbanim avec qui il s'écrivait, c'est trop ça. Il y a une limite, quand même. Bon, c'est ça, les vrais tzadikim, ils n'ont pas de limite. Les vrais tzadikim, ils n'ont pas de limite. S'ils s'annulent. C'est nul. Mais pour s'annuler, c'est que la tête, c'est avec la vision. Je te connais bien. Il nous adorait, il nous aimait, il nous faisait kavod à la Vachalom. C'est le Vachalom Abidine du Maroc. C'était anava, c'était modestie. C'est ce que je vous ai dit au Maroc depuis qu'il a quitté le Maroc. Abbé Shimon Suissa, c'est fini. Le Maroc, il commence à tomber. C'est tout ce qu'ils ont pris après la place, c'est fini. C'était une époque. Aujourd'hui, il y avait. Maintenant, il n'y a plus personne maintenant. Il y avait Bishmon, Bishalom Messas, Alava Shalom, Bishmon Messas, Daimon Senego. Bon, après, c'est fini. Je ne sais pas maintenant. Maintenant, ceux qui y a maintenant, ils n'ont pas beaucoup d'Ashpar. Parce qu'il manque les vieux. Ceux qui y a maintenant, c'est. Ils n'ont pas la force. Il manque ces vieux, les vieux de la génération d'avant. Il manque. Ils disent qu'il est, malheureusement. Donc, ben, sachez que vous soyez un jour, disent qu'il est adore et que Hachem vous aide. Donc, Bachabat Sahar. Shabbat Shalom. Nobody's been to war. No, do you have a chance to war?